Vous êtes sur kezaku.com. Encore une fois, nous avons les pronoms personnels. Maintenant, cette vidéo traite le pronom personnel « en ». Alors, « en » peut s'utiliser dans plusieurs situations. Alors, la première que nous allons voir, c'est « il remplace « en ». Le pronom « en » remplace un complément d'objet direct indéfini. Complément d'objet direct, pour la précision, je répète, c'est quand on pose la question « qui ?»« quoi ?» Alors, maintenant, indéfini. Indéfini, comme donc, le nom ou le complément est précédé de « une »,« un », »,« du », »,« des » ou toute une expression de l'indéfinition. Vous avez une voiture ? Oui, j'en ai. Avez-vous des problèmes ? Ou un problème ? Non, je n'en ai pas. Vous avez des enfants ? J'en ai, bien sûr. Donc, ce n'est pas défini, c'est indéfini, donc on va utiliser le « en ». Maintenant, donc dans la même page, nous avons l'expression de la quantité. C'est-à-dire, avec la même « vous avez des enfants ?» Je peux dire « oui, j'en ai deux ». « Vous avez un problème ?»« Oh, j'en ai plusieurs !» Et ainsi de suite. Donc, c'est la même idée. Maintenant, la troisième situation… on peut remplacer un complément de lieu. C'est-à-dire, en général, on assimile le complément de lieu à Y. Or, on aussi peut être utilisé pour l'expression du lieu. Mais, je le répète, c'est quand on a le pronom, quand on a l'expression, c'est-à-dire de plus le lieu. Ce n'est pas comme pour Y. Alors ici, par exemple, je viens de Casablanca, j'en viens. Il sort du bureau, il en sort. Bien, donc il peut aussi exprimer le lieu. La dernière situation, c'est celle où il peut remplacer un complément d'objet indirect, mais cette fois, il est précédé de la préposition « de ». C'est-à-dire qu'on va avoir « de » plus quelque chose, ou bien « de » plus une idée, ou bien « de » plus une phrase. D'ailleurs, l'exemple qui suit justifie ce que je viens de dire. « Vous êtes satisfait de la situation économique du pays ?» Donc, toute cette expansion après « de » peut être remplacée par le pronom personnel « en ». « Oui, nous en sommes satisfaits. » La deuxième phrase aussi, vous profitez de la formation dispensée par ce centre? Oui, j'en profite. Ou bien non, je n'en profite pas. Donc notez bien que le complément d'objet indirect est précédé de la préposition de. Parce que quand il y a la préposition à, on va utiliser y. Ce n'est pas donc l'objet de cette vidéo. Mais attention, attention, attention. Donc, quand on a « de » plus quelque chose, on va mettre « en », comme on vient de voir. Quand on a « de » plus quelqu'un, eh bien, on va mettre « de » plus pronom tonique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pronom tonique? Ce sont les pronoms « moi »,« toi »,« lui »,« elle »,« nous »,« vous »,« eux », »,« elle ». Ça dépendra du nom, s'il remplace le masculin pluriel ou le féminin singulier, ou ça dépend. Bien, regardons les exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Tu profites des vacances, donc tu profites de quoi? Donc de plus quelque chose. Alors, on va utiliser j'en profite en, le pronom personnel en. Tu profites de tes amis. Alors, de tes amis, c'est-à-dire de qui? Donc, on a de quelqu'un, de plus quelqu'un. Alors, oui, je profite de les amis, parce que ici c'est masculin pluriel. Si c'était féminin pluriel, des amis avec IES, on va mettre « je profite d'elle ». Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo sur kezaku.com.